L'ONU a confirmé que 11 femmes, dont 6 mineurs, ont été victimes d'abus sexuels présumés de la part des gardiens de la paix tanzaniens stationnés en République démocratique du Congo. 11 soldats sont accusés d'abus et font face à la demande de paternité des victimes présumées. 4 des 11 soldats sont du déploiement actuel de la mission dans ce pays. Les 7 autres font partie d'un contingent précédent. À ce stade, en attendant les résultats d'une enquête, toutes les mesures seront prises. La façon dont nous réagirons, y compris éventuellement le rapatriement de l'unité de commande, les responsabilités seront également partagées. La mission militaire des Nations Unies en RDC affirme qu'elle est en train de mener une enquête afin de clarifier la situation. Un rapport fait état de 99 allégations d'exploitation et d'abus sexuels impliquant des membres du personnel de l'ONU l'année dernière.